À tous les gars ça vous allez tous très bien moi bon, ça va nickel vous le savez mercredi prochain euh, 22 mars il me semble euh, nous avons la 10.0.7 qui sort et donc avec l'arrivée d'un personnage majeur de ces dernières années de World of Warcraft en la personne de Bane sang qui va débarquer dans les îles euh, aux dragons alors on va un petit peu regarder sur la série de mamie Twing comment cela va se passer donc évidemment il y aura du spoiler en cette vidéo et mercredi prochain on ira si tout va bien euh, sur les serveurs officiels pour aller faire Cette suite de quêtes en jeu euh, Tout simplement donc Ben s'est rendu Dans les plaines d'Honoré il y a quelques jours Pour chercher un groupe de tauren qui manquait à l'appel Ben s'est rendu seul Les tauren des Pitons du tonnerre ont un lourd passif Avec les centaures de Kalimdor Et Ben ne fait pas exception à la règle Même si les marouks n'ont aucun lien de parenté Avec ces tribus, Myla ne sent pas Tranquille. Donc, Myla Orok sera donc à Valdraken et va nous envoyer chercher Bane Sabot de Sang avec la carte Les Cicatrices euh, du Passé. On va donc trouver Bane euh, Sabot de Sang. Il a apparemment surpris de nous voir et comprend rapidement qu'on a été envoyé par Myla, même s'il aurait préféré rester seul et reconnaît que vos relations avec les centaures pourraient s'avérer utiles. On rappelle que Bane c'est quand même un mec plutôt pacifiste. Est-ce qu'il va les se péter avec des centaures On pense pas trop quand même, mais bon. Bane vous informe qu'un de ses amis proches, Bovan Totem du Vent, a conduit une tribu Toa jusqu'aux îles aux dragons, mais le groupe n'a plus donné de nouvelles depuis l'arrivée dans les plaines. Le chef taurenne a donc décidé de se rendre sur place lui-même afin de les retrouver, mais il a sous-estimé l'étendue de la tâche. Il vous envoie donc vous entretenir avec les centaures et demander des. Euh, Infos, puisque Bane refuse d'approcher les centaures, lui qui a donc un passif avec eux. Donc, Tomul semble déjà très occupé, mais elle accepte de vous aider afin de trouver le groupe de voyageurs euh, disparu. Donc, il va s'enchaîner avec la quête, une relation tumultueuse. Vous rejoignez Bane afin de lui faire pardon de nos recherches. Toutefois, Tomul vous a devancé. Elle s'entretient déjà avec lui. La conversation est tendue. Euh, Bane ne fait aucunement confiance à la centaure. On rappelle, hein, si vous faites maintenant un tour vous verrez un peu toutes euh, les storylines qu'il y a entre euh, les centaures euh, et les towens. On voit même d'ailleurs Bane sur la euh, défensive. Hein, ce qui est très très rare de voir euh, Bane comme ça. Donc en gros, bon. Il ne fait pas confiance aux centaures. Tomo nous explique que depuis le retour des dragons sur les îles, beaucoup de, de Zeroth ont décidé de se rendre dans les plaines. D'ordinaire, les centaures surveillent farouchement les frontières, mais le grand nombre d'aventuriers combinés à la menace No coudes, euh, donc cela a rendu l'exercice plutôt difficile, ils ne peuvent pas surveiller les frontières. Ces unités de reconnaissance ont repéré sur la route de l'Est, un groupe correspondant à la description des torrents euh, disparu. Et donc, on va à la recherche de Bovan Totem devant, et donc là, euh, le... Des tauren est exterminé, bien sûr. Tomoul dit qu'il n'a rien à voir avec ça, et mais par contre, voilà, euh, mensonge. Euh, je serai sur le champ. Ils sont certainement fait descendre par du coup des centaures, mais qui doit être les no ce qui n'a rien à voir avec les marouks. Donc, euh, bien sûr, euh, voilà. Donc, tac-tac-tac, là, on survit. Alors, on voit totem devant, hop hop hop, ici il y a un centaure qui est mort, euh, bien sûr, pendant votre recherche on croise de nombreux taurens morts au combat, certains portent un nombre important de blessures, donc ils sont battus jusqu'au bout tout de même. Ensuite la capture nous va être donc un endroit où se réfugier, une fois votre mission terminée, vous retournez auprès de Bane Sabot de sang, ce dernier vous informe qu'il a parlé aux survivants, et personne n'a vu Bovan depuis le combat, aucun objet personnel que vous avez ramené n'appartient au torrent disparu, Bane se demande où il peut bien être, bien sûr donc... Euh, les totems de vent sont donc dans un petit camp euh, provisoire Les taurennes dans les plaines euh, d'Honor On continue donc la discussion tranquillement On les met en place tout ça tout ça Et donc on a Tomoul qui ne peut pas accéder au camp temporaire des taurennes Puisque du coup ça reste eh bien, euh, un centaure Même si c'est pas forcément son clan a mis à mort euh, le clan totem devant mais bon quand même et donc là euh, Tomoul vient parler aux taurennes de leur rendre les objets retrouvés sur les corps des victimes de l'attaque vous allez devoir faire preuve de délicatesse pour certains de ces taurennes ce serait certainement le pire jour de leur vie vous rendez ainsi les objets trouvés précédemment à qui pleurent aujourd'hui leur euh, disparu de retour auprès de ben ce dernier vous confie qu'il connaît tagar sabot de sang depuis euh, sa plus tendre enfance il a été commandant en seconde son père de mon nombreuses années euh, c'est lui qui a envoyé rexar voldine Nishan, brume d'orage au euh, délivre des centaures mais pour mener à bien sa mission il avait besoin d'aide et c'est à ce moment là que sa route accroît celle de Bovan totem de vent donc en gros là on passe un petit peu pour pas trop non plus voilà tout faire euh, la quête finalement en lecture mais donc on a voilà euh, Bane va refuser au début de, euh, de, de de voilà de rentrer dans l'avant-poste de Tomoul mais ensuite ils vont faire un rituel pour localiser Bovan ils vont le localiser il aurait été exécuté par les Nokoud et donc voilà on va ensuite attaquer euh, le bastion avec Jamoku euh, qui va bah, certainement être tué dedans, hein, on, on verra bien ça, lâcher prise, voilà, il y aura un rite funéraire taurène et centaure combiné apparemment, qui va donc certainement, euh, eh bien, euh, quand peut-on dire ça, resserrer les liens peut-être entre les Marouk et Bane, cerveau de sang. Donc, Bane, quant à lui, vous indique que les Chikar ont perdu deux de leurs euh, pendant la bataille, il a toujours besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé. En concertation avec les Chicards, ils ont essayé d'honorer leur mort ensemble. Ils ont combiné leur rite funéraire en effet les mêmes euh, cérémonies. Donc, on va voir ce qui va se passer avec les Centaures. Une intégration dans la Horde ou pas on verra bien, mais ça a l'air de, voilà, sur la fin, peut-être mieux se passer entre les tauren et les centaures, en tout cas les chicards, tout ça, tout ça, bien plus qu'avec les Noku. Donc voilà les gars pour cette petite suite de quête qu'on fera mercredi. Là, c'était un peu pour mettre en contexte, mais mercredi, on ira la faire, bien sûr, si elle est disponible jour J, euh, évidemment. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Bain Sabot de sang dans Dragonflight. Moi je vous dis à la prochaine les gars, et surtout portez-vous tous très très bien. C'était Olren.